Depuis qu'on est ensemble là, jusqu'à aujourd'hui là, tu n'as pas pensé à donner ma dot. Oui, mais chérie, on a tout le temps. On a tout le temps pour ça. On a tout le temps. Je travaille. Je contribue avec toi pour les charges de la maison. Quelle garantie ça me donne? Qui me dit que demain tu ne vas pas me chasser de la maison pour me dire que tu as trouvé une autre? Non, chérie, tu sais, avec toi, je ne peux pas te renvoyer. Et aussi, j'ai une surprise pour toi. Tu vois la maison, je vais changer la maison, je vais mettre carreaux partout. C'est pas ma maison, mais moi, je vais enlever ça pour le propriétaire. Je t'arrête tout de suite. Comment se fait-il que depuis 2 mois que je suis en train de payer le loyer, le propriétaire est venu ici hier soir, soit disant qu'on doit 3 mois de loyer. Ah, donc il était là hier pour réclamer les loyers. Ah, mais il fallait lui dire que moi, je vais cotiser l'argent chez moi. Comme il a mis l'argent à la banque, moi, je vais cotiser l'argent chez moi. Pour que, moi, je vais arranger la maison, toute la maison. Amis, tu veux t'en parler? Oh, le prof, mais je l'ai appelé, je l'ai tout expliqué. Tu l'as expliqué quoi? Il faut que je garde l'argent. C'est son argent, c'est son dû. Chérie, tu ne vois pas que quand le propriétaire vient ramasser les sous ici, c'est pour aller boire. Mais moi, je le surveille. Il faut que je lui garde l'argent. Et dans la maison, on doit arranger la maison. On doit mettre carreaux partout, même au dehors. Je dois mettre carreaux au dehors. Ça s'est coupé encore, est-ce que... Ah. Ils ont coupé l'eau aussi. Ils ont coupé l'eau. Ils ont encore coupé le courant. Chaleur. Oh. Moi, je ne supporte pas trop la chaleur. Attends, chaleur, chérie. Il n'y a pas une coupure. En venant tout à l'heure, là, j'ai rencontré les gens de la SBE, compteur, mais ils sont venus enlever le compteur. Ah non, 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 c'est pas possible, non. On a remis l'argent à notre voisin Abyss, non. Donc, il devait payer depuis. Votre voisin, là. Comment ça? Comment est-ce qu'il viendra? Ils sont venus enlever le compteur. Ah. Abyss, oh. On lui a oublié notre bague. Ah, ils ont coupé. Ah, oui, comment tu vas? Ça va. Madame, vous êtes dedans. Tu as encore préparé. On a déjà mangé. On ne veut pas manger. On n'est pas venu pour ça. Justement, on n'est pas venu pour ça. On t'a donné notre pas d'électricité. D'eau. Mais pourtant. Parce qu'il y a coupé. Non, c'est comme ça. Est-ce bien que le couper courant partout? Ils vont ramener le courant tout de suite. Ils vont ramener le courant. Alors qu'on reprend tout à l'heure, moi j'ai vu les gens de la SBE venir enlever le compteur qui dit. C'est ça. Et comment ils vont enlever la SBE? Toi, tu as payé. Tu as payé. En fait, je cotisais tout cet argent-là pour arranger la maison. Où est-ce que la maison? Je veux mettre carreau partout. Je veux mettre une datation. Ce que moi je ne comprends pas là. C'est ta maison. Ça m'étonne. Et tu dis, tu veux mettre carreau, tu veux mettre. On t'a demandé clim. Tu veux mettre clim dans la chambre de qui? Si vous voulez. Tu es l'enfant du propriétaire ou bien quoi? Si vous ne voulez pas, si vous ne voulez pas que j'arrange la chambre, la maison, je vais prendre l'argent pour aller payer LSB. Oui, ah, non, c'est l'ASB, non? C'est l'ASB, non? Ok, ok, si je voulais aller payer ça demain. Chérie, attends, ce qu'on va faire là, si dès ce soir, on n'a pas le courant, on n'a pas l'eau, pas la série de la maison. Moi, je travaille à LSB. Roger, ne t'inquiète même pas, il ira payer tout de suite. C'est mieux pour toi. Merci beaucoup, madame. On va pas mourir dans la chambre. Si la chambre est comme ça, la maison est comme ça, c'est pas grave. Il faut que ça reste comme ça. En attendant, là, il faut que l'ASB vienne mettre le compteur. Pourquoi quand je parle, il ne me croit pas? Vas-y, tu es un homme. Tu ne veux pas qu'on va faire comme les riches dans la maison. Comme les riches, et tu prends notre argent là pour faire ce que je ne sais quoi. C'est pas sérieux de ça. Oui, bonjour monsieur. Chef, c'est comment? Ça va, ça va. Bon, j'ai été chez le démarcheur et je suis venu avec le géomètre. Ah, tu es venu avec le géomètre? Oui. Et on va changer le truc là-haut dehors. Il y a les charlots dans la maison. Ah, d'accord. Oui. Ouais. Je dois faire le géomètre. Sinon, l'emplacement est bon. Oui, c'est bon. Ah, vous avez aimé ça? Oui, j'ai aimé. J'ai vu un peu, mais j'aimerais plutôt mieux visiter les trucs. Ah, attendez d'abord, sur mes frères. Ils sont tous d'accord que je vends la maison. Mais il faut que je les parle d'abord. Vous devez venir avec l'argent. Je suis venu avec l'argent, mais d'abord, j'aimerais plutôt mieux vérifier le compartiment de la maison et contrôler un peu l'état d'abord. C'est pourquoi je suis venu en même temps avec le géomètre pour connaître les dimensions tout et tout. Il ne faut pas que je me rappelle les dimensions là. C'est les anciens, ça passait. Ça fait 500 mètres carrés. Mais bon, on peut le savoir, mais. Donc, je vais parler à eux, messieurs, d'abord. Alors là, vous allez visiter, ils vont arranger un peu le truc là. Je viens tout de suite. Vous êtes venu avec l'argent, non? Oui, ça, il n'y a pas de problème. Moi, mon souci, d'abord, c'est d'être sûr de ce que je vais acheter. Le reste, on va. Ok. D'accord. Ça y est, en fait, celui qui était venu là, c'est les polices sanitaires, quoi. Il veut contrôler la maison et tout. Donc, j'aimerais vous dire, vous allez arranger les choses. Et s'il est là, ne parlez pas. Ne dites rien.
D'accord. Ah, chérie, affaire de police sanitaire, quand on parlait de la maison, tout est propre, non? C'est quoi encore affaire de police sanitaire? Non, au fait, moi, je suis venu vous informer pour que s'ils rentrent là, ne parlez pas. Parce que si vous parlez trop là, ils vont nous amender. Amender? Oui, c'est comme ça, ils sont. Parlez-en, on va vous amender. Ne parlez pas trop. Ok. Mais ne les regarde même pas. Ok. Parce qu'ils doivent contrôler toute la maison. Ne parlez pas, sinon ils vont nous amender. C'est pas grave. D'accord. S'il te plaît, après là. Va payer la facture, s'il te plaît, c'est urgent. Non, quand on a chaud dans la maison. Quand j'ai fini, avec les trucs là maintenant là, je vais aller payer la facture. D'accord, merci beaucoup. Ok. Chérie, et je vais régler les trucs là rapidement. Et maintenant toi tu es devenu propriétaire de la maison, mais c'est toi qui gère ici à gauche, c'est toi qui gère ça à droite. Mais comment tu peux me parler comme ça devant les voisins? Tu me parles comment? Les voisins sont là, tu me parles comme ça. Hein? Toi tu sais comment moi je cherche l'argent. Il est temps. Ah, il est là. Allons, allons, chérie. Alors, vous êtes de retour? Oui. Oh, j'ai parlé avec mes soeurs. Ils sont d'accord, quoi. Ok. Donc, comme je vous ai dit, ils sont déjà d'accord pour qu'on vende la maison. Mm-hmm. Si vous avez, vous êtes avec l'agent, vous allez vérifier. Mais est-ce que les papiers sont à jour? Non, tout est à jour. Tout est à jour. Donc, vous avez dit qu'on pourrait aller chez le délégué pour plus de vérifier. Le délégué, c'est mon ami. Ok, d'accord. Vous allez là-bas, vous allez. Ça me donne plus de garantie. Ok. Ok, d'accord. Mais arrivez dans la maison. Oui. Mais ne parlez pas. Ne parlez pas trop, quoi. Vous voyez, vous allez vérifier. Parce que je ne veux pas que mes frères soient tristes quand ils vont à la maison familiale. Ok. Vous voyez, donc faites doucement avec. Sans problème. Oui. Ah, on peut commencer par le derrière. D'accord. Derrière. Pour voir, oui. Je vais faire visiter la maison. Vous pouvez commencer par derrière là-bas. D'accord. Vous voyez, oui. C'est ça. Il y a. Ici, mais tout est propre. Ça peut servir donc là. La maison est propre. Vous voyez comment la maison est propre, non? J'espère que tu as vu un peu la maison, les dimensions, tout ça. Ça peut aller. Oui. D'accord. Si c'est ça, on peut aller chez le délégué. D'accord, c'est bon. Ah, c'est oui, bon. On va chez le délégué, on conclut la fête. On parle dehors, arrivez dehors. Oui. C'est pas bien de parler du passé là, sur le passé. Okay, d'accord. On va aller dehors, vous allez parler. D'accord, sans problème. D'accord. Oui. Chérie, oui. Je fais un constat. J'ai remarqué que après que ma copine, elle a pris des bâtisses. Est-ce que vous êtes avec elle? Moi. Chérie, moi, je ne ressens rien qui fait ça. Non, c'est bon. Moi, je ne veux pas ça. Ta copine, elle n'aime pas jolie. Moi, je ne veux pas ça. C'est pas mon goût. Non, la gueule de vivre, il te réva. C'est joli. Oui, c'est ça. Je t'aime. C'est toi seul que j'aime dans ma vie. Je n'ai jamais connu de toi encore. Ah! Oh! Comment tu vas faire? Je vais te réveiller chez toi. Chérie, il faut me donner la place. Bonjour, madame. Et la famille, ça va? Ça va, ça va. En même temps, tu m'avais dit que tu connaissais des gens pour qui vont bien passer le route là, non? Oh, oui, mais bon. Moi, j'ai changé le téléphone, donc je n'ai plus le contact. Mais apparemment, moi, je n'ai personne qui vend des parcelles. Bon, ok, on va savoir. Si moi, je cherche des parcelles très, très, très urgent. Hein? C'est très urgent pour moi. Non, on va faire maintenant. Hein? Moi, je n'ai personne même si, qui vend des. Même si c'est deux à trois étages. Waouh! Il y a les fonds, mon frère. Je lui ai payé la facture. Voisin, félicitations. Bonsoir. Oui, vous allez voir dans ta vie, tu as été sérieux. Bon, j'ai entendu et ton ami là, il est en train de dire que Kling. Qui cherche les parcelles à acheter. Donc vous voulez me dire parcelles ou bien fait parcelles comme ça? Oui. Voisin, sinon j'ai payé la facture déjà. Oui, j'ai vu. J'ai des trucs à. J'ai des états à dans Revive là. Revive. Oui, j'ai des états là-bas. Il n'y a plus d'état à Revive. Non, je veux vendre là où il y a à report là, dans la report là. J'ai des états dans la report. Ça, c'est dans la ville même. Hein. Ça peut m'avantager pour mon voisin. Tu viens. Ok, voisin. Ouais, non, laisse-moi la facture. Ok. Quand le computer sera là, je lui montre ça. Ok. C'est vous qui êtes allé de payer les papiers. Sinon, j'ai des trucs là, dans Revive, dans la report là. Mon grand-père a des trucs dans la report. Attends, oui. Il y a moi, non, si, attends, je vais t'expliquer. C'est pas pour moi. Chérie, c'est pour mon ami qui a mis ça dans ma poche. Chérie,
quel ami? Attends, je vais t'expliquer, c'est pas moi. Quand je disais tout à l'heure. Ma chérie, j'avais un diable au beige. Quand je disais tout à l'heure. Chérie. Que je te soupçonne d'infidélité là, qu'est-ce que tu as dit? Chérie, je ne te trompe pas. Tu ne me trompes pas, c'est quoi ça? C'est mon ami qui a mis ça dans ma poche. Ton ami a mis ça dans ta poche. Chérie, je ne te trompe pas. Oh. Comment ça? Voisin, est-ce que tu m'as trompé ma femme? Voisin. Attends, l'autre fois qui t'a trompé, tu te dis ça là. Moi, je l'ai plus revu. Moi, je l'ai plus revu depuis l'autre fois là. Il n'a plus fait quelque chose. Oui. Voisin, tu as été à l'auberge hier. Il a été à l'auberge, voilà le reçu. Il faut voir la tarte. C'est la date d'hier. Je savais que c'était là. Ma copine là qui était ici là. Ils étaient allés se rencontrer. Tu ne parles pas? Ah, sinon, voisin. Tu ne parles pas? Ton ami, je vais amener ton ami, il va aller visiter les parcelles, toi. On va aller visiter les parcelles. On peut aller. C'est bien comme ça. Chaque fois, c'est la même chose. Non, c'est les voisins, c'est comme ça qu'ils sont dans la maison. Et tu ne veux pas changer? Mon frère, du courage, hein. C'est comme ça qu'ils sont dans la maison. C'est pas tout ça là, pas des fidèles là. Rentre dedans, parce que le reste dedans. Ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher. Grande soeur. Waouh, ça fait longtemps. Il fallait m'appeler pour que je vienne te chercher à l'aéroport. Ouf. Et t'as changé. Of course, babe. Ah. So, what's up? Tu me dis quoi déjà? Excuse me. Je me pensais encore à Yannick. Tant ça. C'est normal. Alors dis-moi, comment ça va les amis? On est là, on est là. Et ton mari? Le gars là. Il est là. La star du quartier est deux jours. Ouais. Hein? On va y avoir une entreprise maintenant. Hein. Je ne peux pas t'en dire plus parce que je n'ai pas plus d'informations. Je vais m'installer définitivement au pays et je compte relancer mes activités. La grande sœur. Mon beau. Comment tu vas? Mon beau. Tu es venue depuis quand? Ça fait une semaine déjà. Wow. Ça va toi? Non, mais regarde, tu es très élégant là. Ça va? Ah, je confirme. Wow. Ils vont très bien. J'espère que tu as mené beaucoup d'argent. Mais bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Wow. Chérie, tu ne peux pas faire manger à ta comme ça. Il m'a servi, hein. J'ai mangé, j'ai bu et puis tout va bien. Oh, alors bébé, c'est moi à manger alors. Ça fait quand même 10 ans que j'ai quitté le pays, hein. C'est important que je vienne construire quelque chose chez moi. Donc, je compte créer une entreprise d'inter-export. Et déjà, je ne sais pas à quoi nous vendre les parcelles ici, mais je vais te laisser 10 minutes pour que tu puisses me chercher un bon endroit, un très bon local. Oui, mais je te demande de me laisser à manger. Fais-moi à manger, non? Bon, on va continuer après. Vas-y. Ça va. Certaines, tu parlais de projet d'argent. Bien sûr, je vais quand même pas faire toutes ces années là-bas et me reconstruire chez moi. Tu vois? Bien sûr, actuellement, moi, je suis dans les affaires de parcelles. Hein. Ah oui? Je vois des parcelles un peu partout. Tu as des parcelles à Kandi, à Foussa, à Kézé. Tu connais à Kiki? C'est des endroits que les gens cherchent actuellement de nous. Et là, les gens me proposent de leur vendre ça, mais je ne veux pas. C'est ma fin là-bas. Alors, je te dis que c'est. Les gars, c'est très moins cher. Je peux te faire ça à un bon prix. Il faut pas que ta soeur soit au courant. Elle peut être jalouse de toi. Mais pourquoi est-ce que ma soeur sera jalouse de moi? C'est pas mon Afrique. Là-bas, là, c'est autre chose. Ici, c'est autre chose. Si tu as gagné beaucoup d'argent, confie-moi ça. Moi, je t'achète ça. Et tu as gagné. C'est entre toi et moi. Mais tu es sûr que ce succès, c'est plus de bâtard. Moi, j'ai changé. Il y a lui porte les faits. Il veut lui porte les construits. J'ai remarqué que tu es très élégant. Tu as d'argent. Tout ce que tu as mené, confie-moi ça. Je vais te gérer ça. Bon, d'accord. Mais dis-moi, à combien est-ce que tu pourras me donner 3 à 4 parcelles environ? Et quand tu ne veux pas des hectares, il y a des hectares là-bas. Et... Mm-hmm. Parce que 3, 4 parcelles avec 5 millions, 7 millions, ça fait gérer. Ah oui? Oui. Et une hectare, je peux l'avoir à combien alors? Avec 10 millions, 15 millions, ça peut aller. Bah ouais, c'est que ça peut faire l'affaire. Ah. Alors, dis-moi, tu peux me faire les virements ou les chèques Bon, je prends les virements, c'est lui. Bon, d'accord, tu vas m'envoyer ton compte et je te fais les virements. Voilà, c'est fait. Ah oui, c'est bon. À part les parcelles, il y a plein de choses que tu veux et tout. Bien sûr, je vois quand même pas beaucoup de choses, mais je vais commencer d'abord par les parcelles. Chérie, à la fin de retour.
Si bon, vous, je vais vous laisser rapidement parce que... Tu ne manges plus? Non, non, je dois aller quelque part. Il faut que j'entame en même temps. Vous savez, tu t'avais d'accord. La grande, la grande. Ok, c'est ça, grande. Qu'est-ce qui ne va pas? Tiens, pourquoi je ne voulais pas le servir au repas? Mais maintenant, je suis un jeune. Non, ça, c'est un problème. Ah. Ah, voisine. Ah, bonjour, voisine. Comment tu vas? Ça va, je suis là. Ça va, tu rentres? Oui, je rentre. J'ai des choses à vous dire. Mais on ne peut pas rester ici, quoi. On ne cherche jamais votre mari pour passer ici. Pour vous voir, pardon. Si vous n'êtes pas pressé. Des choses comme quoi? Non, votre mari, ce qu'il vous fait dans la maison, moi, je n'apprécie pas. Oui. Vous souffrez trop. Ah. Ne m'invitez pas ça. C'est bien. Il y a un bar là, on va rester là et parler. Ok. Vous savez comment on ne peut pas vous draguer là. Oui, je sais. Tu es le voisin. Ok. Donc, on peut rester là-bas okay. Et parler un peu. Ok. D'accord oui. Voisin. Oui, voisin. Ah. Voisin. Voisin. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'amènes ici. Donc, tu sais, moi, je constate que ton mari là. Oui, voisin. Il te néglige. Ton histoire, ça me fait peur. Comment ça, te fait peur? Parce que tu as trouvé l'argent pour acheter tout ça là, c'est le tout, tu as gagné. Non, c'est pas parce que ton mari ne te fait pas sortir que moi je ne vais pas te faire plaisir. Bien, tu veux me draguer. Comment tu dragues? Non, en fait, moi je constate que tu souffres toi avec ton mari. Mais c'est vrai aussi. Tu souffres, tout le monde ne pas. Ton vagabond là, chaque fois, il est tout avec les filles, surtout les petites filles du quartier là. Il est tout avec eux. Ah, moi je te parle. Regarde tout là, tu ne me vis pas. Il faut que tu me changes. Et j'ai constaté qu'il y a un autre qui venait chez vous là. Oui, mon oncle là. Celui qui nous aide, qui nous donne l'argent, tout ça là. Financièrement, c'est lui qui nous aide. Nous aide. Oui, ça, tu penses que je suis encore vivant? Oui, j'ai un mec depuis. Tu sais, j'ai remarqué que ton oncle là, il a beaucoup d'argent. Oui, mon oncle qui nous aide financièrement dans la maison là. Écoute, j'ai des projets maintenant. Avec plus d'argent, tu peux devenir riche et abandonner ton mari là. Oui, là, tu peux l'abandonner avec ton oncle. Moi, je peux t'aider. Il y a l'argent, non? Ah, mon oncle, elle est immensement riche, je te dis. On va chez le Bénin. Regarde, dis-moi que tu es déjà riche. Je suis riche. Non, avec ton oncle, moi, je vais te chercher. Ta... Donne-moi 24 heures, tu es déjà riche. Voisin! Ah oui, bonjour monsieur, comment vous allez? Ça va très bien. Ça va bien, madame. Okay. Ouais, en fait, vous vendez quoi et quoi ici? Ok, disons que nous valorisons les mets traditionnels. Ah bon? Ouais. Nous faisons du poulet braisé, du lapin, de la pintade et du poisson. Tout cela braisé, accompagné de la pâte communément appelée du bourmio. Ok. Maintenant, pour quelqu'un qui ne veut pas de la pâte, il peut prendre de la cassa ou du pion. Et c'est toujours chaud? Toujours fait chaud. Puisque ça se passe sur commande. On appelle d'abord avant de venir. Vous appelez avant de venir. Maintenant, lorsque vous n'appelez pas, on a toujours une formule pour ceux qui viennent manger sur place. Merci beaucoup. J'appelle une dame pour assurer la suite du service. D'accord, merci beaucoup. Tout à l'heure. Sinon, avec ton oncle, tu es devenu millionnaire déjà. Regarde. Je sais. Moi, j'ai changé depuis plein de temps. C'est moi qui change la vie des gens maintenant. Oui, j'ai remarqué. Je vais arranger la maison. Je cotisais l'argent du loyer pour arranger la maison fin d'année. Il criait dans la maison. Et tu as disparu seulement des pages. Et là, tout le monde, on ira chez lui maintenant. Il n'y a pas de problème. On ira chez lui. Je suis pas content. Je vais lui parler de tes projets. Pas de projets. Hein. Oui. Et quand il va me confier l'argent, en 24 heures, regarde. Tu vas devenir riche, pas possible. Les gens vont crier ton nom. C'est ça. On est là chez lui maintenant. Si on finit de manger, il faut qu'on aille chez lui. Pas de problème. Ne pense même pas que tu veux rentrer à la maison. Chérie, bébé. Chérie. Voisin. Ma femme est sortie. Je ne sais pas si elle est dedans, mais la porte est fermée. Si c'est fermé, c'est qu'elle n'est pas là. Elle est dedans. Elle va revenir. Il faut passer à tout ça. Ok. Petite soeur. Ah, ça va pas. Mamsan, qu'est-ce que tu fais là? Vite là.
Merci. C'est rapide. Oui. 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 Non, j'ai eu de mari là, il m'a mis une femme pas sorti. Il y a des bouts de ça dans la tête. C'est tout ça. Et quand tu appelles la même tête, on te fait ça. Ah, mais tu es classé. Voilà. Je te dis que je suis trop pressé même. Si on a pas de bouts de manger, on n'a pas fait. Tu te montres là, non? Oui, toi, tu es bien, Aris. Bien. Bon appétit. Ah, merci, monsieur. Merci. Vous avez une demande particulière? Vraiment, c'est très bien. On a beaucoup aimé ça. Oui, donc, vous êtes le patron d'ici? À peu près. Qui veut organiser mon anniversaire? Est-ce que vous avez des places où je peux accueillir mes amis? On va faire une fête. Nous avons suffisamment de places pour ce genre d'événement. Okay. Mariage, anniversaire, baptême. Ah bon? Et si je veux organiser la fête chez moi à la maison? Non, nous faisons des emportés. Nous faisons des emportés. Ça, c'est le service, c'est qu'on peut se déplacer et faire un service spécialisé pour la personne. Pour la personne à la maison. Oui, voilà. Ah, voilà, vous me laissez votre contact. Bon, nous sommes au 95 43 38 72 oui. Ou au 96 22 06 61. Ah, voilà. Et en plus, ils sont rapides. Hein. C'est super encore. Un repas vraiment exceptionnel. Qu'est-ce qu'il fait chaud ici? Passe-moi ça. Qu'est-ce que tu fais là? Ton mari me manque déjà. Mais dis-moi, où est ton mari? Mon mari? Je ne l'ai pas vu. Comment ça tu ne l'as pas vu? Attends, ça fait 2 semaines que celui-là est rentré à la maison. Je ne l'ai pas vu depuis 2 semaines, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Pardon? J'ai dit mon mari ne rentre plus depuis 2 semaines. Pas d'appel, pas de message. Okay. Il était censé m'amener visiter les parcelles qui vont acheter, mais depuis 2 semaines, j'essaie de le jouer. Attends, il devait t'emmener faire quoi? Pourquoi tu te mens? Ah, ok. Il est un bon nouveau. Qui est un bon nouveau? Mon mari est un bon nouveau. Là, tu l'as vu. Tu l'as vu comment? C'est pour me virer avec les 2 yeux comme ça là. Mais toi, pas. Qu'est-ce que vous me racontez là? Non, je ne me plains pas. Hein. Je l'ai vu en train de farauter. On appelle Abyss papa dans euro, Abyss papa dans dollar. Je l'ai vu, mon voisin là, il a changé de nom ou de quoi. Sinon, c'est Abyss dans le prince. Mais papa dans euro, papa dans dollar. Et quand tu dis Abyss papa dans euro, là, c'est 10 000 francs comme ça. Voisin. Je ne sais pas s'il appelle Grand-sœur, tu as quoi? Toi, tu es encore plus jaloux que moi. Attends, après tout, c'est mon époux, hein? Ah, moi, je le connais quand même. T'as eu un peu d'argent, il devient star. Il change de nom, hein? Il parle avec lui, il change de nom à chaque fois. Si je comprends bien, il est en train de faire du farotage avec mes 15 millions. Hein? Que quoi? Grand-sœur, attends. Jusqu'à ce que mal fait. Moi j'étais où, toi tu as remis 15 000? Non, donc c'est avec 15 000, moi il est bien pour de nouveau. Donc, alors, si je me rappelle bien, c'est ce qu'il y avait un vœu que tu voulais pas me dire ça. Mais il m'a dit que tu serais jalouse de moi, non? Je serais jalouse de toi. Moi, ta petite soeur, je serais jalouse pourquoi? Tu as fait complètement la mauvaise personne. Je sais que c'est ton mari. Mm-hmm. Tu sais que je te respecte beaucoup. Mm-hmm. Mais si d'ici 3 jours, je n'ai pas soit ma maison, soit mes parcelles ou mon argent, elle finira au tribunal. Mais ne l'amenez pas chez le délégué. Il y en a avec le délégué. Ah, il donne de la parole. Comment il y a? Non, il a fait fort. Il m'a pas donné les yeux pour le bail. Il m'a dévoilé de le préparer à moi. Je l'ai appris ici. Voisin. C'est quoi? Madame n'est pas rentrée.
Ça va chauffer maintenant. Je demande, madame n'est pas rentrée. On est bien le matin. Est-ce que tu l'as appelé? Tu l'as appelé? Ce numéro ne marche pas. Descends, descends de la table. Descends de la table. Descends, descends de la table là. Voisin, descends de la table. Aide quoi mon mari là? Bonjour chérie. Madame, tu étais allée où? Moi? Tu étais allée où? Réponds-moi, tu étais allée où? Moi? Ton mari est un vrai voleur. Il est là. Je veux la quitte. Tiens, il laisse moi t'expliquer. En rentre, en revenant de la ville, j'ai rencontré ton mari. Et il me faisait comprendre, tu as un truc à me dire. Tu dis, voisin, de quoi s'agit-il? Il me dit, tout ce qu'il a à me dire, que on ne peut pas en parler là au portage. J'ai dit, ok, on fait comment maman? Il m'a dit de me suivre. On est parti s'asseoir dans un bar. À ma grande surprise, ton mari là, chérie, écoutez, il commence à me raconter tes délits, comment tu me trompes, tu comprends les trucs du genre. La finalité, c'était quoi? Il me dit, je demande si je n'ai pas un oncle qui est riche par hasard dans la famille, qui a l'argent, qui aimerait m'aider, genre, à reconstruire ma vie, à réaliser. J'ai dit, oui, voisin, il veut te donner, de l'amener chez l'oncle. Je suis partie chez l'oncle. Devant moi, ils ont parlé, ils ont tout conclu. Hein? Il a pris l'argent chez mon oncle, il a dit, il revient tout à l'heure. Depuis, je l'appelle. Son téléphone, quand ça sonne, c'est une femme qui décroche. Et on ne dit pas d'accord. C'est pas que vous. Et tu ris encore. Depuis, mon oncle m'attend là-bas. Hein. L'argent de mon oncle, qu'il a pris, il a dit de me rembourser l'argent de mon oncle. Voisin. Je ne veux rien entendre. Appelle ton mari, dis-lui de me rembourser l'argent de mon oncle. Depuis que toi, tu es dans la cour ici, là. Tu ne connais pas Abis. Toi, tu ne le connais pas, Abis, mon mari, là. Toi, tu ne le connais pas. Et tu l'as emmené chez ton oncle. T'as l'argent. Non, ça, c'est pas mon problème. La personne a dit de m'aider à devenir ma chérie. Dis à ton mari de me rendre l'argent de mon oncle. Je ne veux pas de problème. Ça fait deux semaines qu'il est pas à ta maison. Je vais aller le tourner. Hein? Oh. Je vais aller le tourner. Martin, maintenant, c'est Abis, mon problème. Attends, c'est le seul homme qui nous aidait là, que tu as amené Abis, il a expliqué ça. C'est de ça il s'agit, il faut me parler, non? Merci beaucoup, donne-moi la clé. Donne-moi la clé. Donne-moi la clé, c'est quoi? Ne me suis pas, retourne là, tu as quitté. Retourne là, c'est quoi, je suis tranquille. Abis. Oui, alors je suis déjà là. Non, mais je ne vous vois pas. Ok. Ah, donc c'est vous qui êtes là. Ok, je viens. Oh, boss. Sinon, c'est votre. Est-ce qu'il m'a laissé votre numéro ou quoi? J'ai pas le bavard. Sinon, elle m'a dit ça. Elle m'a dit que vous n'aimez pas les skinny. Vous n'aimez pas la poutou. Stop. La drogue. Il va dire à la jambe. C'est le chantier. C'est le général. Dedans. C'est bon, tu peux sortir. Merci boss. Si vous avez besoin encore de mon service, je suis à votre disposition pour vous livrer. Fermé. La seule personne qui nous aide. Tu me regardes encore. C'est pas la police, ça ne sait pas. C'est pas grave, je pense bien. On va démolir ces choses-là. On fait un peu de temps, ça va faire. Ah, oh. Bonjour les amis. Bonjour. Vous êtes là? Oui. C'est pas la police.
Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. C'est la police sanitaire. Police sanitaire? Oui. Mais non. Je vais dire à la fois dernière. J'étais bien sûr là, je suis venu voir votre propriétaire. En fait, j'ai payé la maison. Quelle maison? C'est désormais ma propriété ici. Je parle d'ici, monsieur. Et bientôt, je vais envoyer les huissiers. Ils vont vous donner un avertissement pour quitter la maison. Sinon que moi, je veux entreprendre dans la maison. Je veux rénover la construction, en fait. Excusez-moi, hein. Le propriétaire ne reste pas ici. Hein. Mais l'autre type un peu gênant, n'est-ce pas, le propriétaire? C'est mon colocataire. Colocataire? Oui, c'est vrai. Attendez, ça, c'est une bonne blague, ça. Hein? Un colocataire, vous avez dit? Non, mais non, c'est le propriétaire de la maison. Moi, j'ai conclu l'affaire avec lui. Il m'a amené chez le délégué, mais... Pas malchance, le délégué n'était pas là ce jour. Pardonnez. Il ne me reste pas à aller chez le délégué de récupérer les papiers. Oui. Le délégué est en dessous. Le délégué qui est dans la seconde vente. Le délégué ne reste pas ici, c'est loin. Il est vers le boudron là-bas, c'est loin. Mais attendez, vous blaguez avec moi. Attendez, c'est pas qui, moi, il était là la fois dernière. Mais en tant que police sanitaire. Qui vous a dit que je suis en police sanitaire? N'est-ce pas vous, les frais du propriétaire? On est tous colocataires ici. Le propriétaire ne reste pas ici. Mais il m'a dit que vous êtes ses frères. Que c'est une maison familiale, moi je viens de payer la maison. Attends, non, moi je veux pas savoir qui est le colocataire de qui ou pas. Moi je viens d'acheter la maison, ça m'appartient. Là, il n'y a rien à dire. Mais si vous ne le savez pas faire, moi j'implique la police dans la situation. Hein. Ça fait plus de 3 semaines, il est sorti. Et ça va bien justement à peine de 3 semaines. Ouais. 3 semaines. Ouais. Ben écoutez, je ne veux plus rien entendre. Hein? Moi je vous ai dit, je viens de payer la maison. Donc apprêtez-vous à sortir de la maison. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Quand vous avez acheté la maison, est-ce que vous avez les papiers? Bon, je vous ai dit, bon, ça, je reconnais, je n'ai pas encore les papiers. Et je viens de vous dire encore que celui qui vous a vendu la maison, c'est pas le propriétaire, c'est un voisin, c'est un colocataire aussi. Ça, c'est une blague, je pense. Mais en tout cas, que ce soit vous qui dites la vérité, ou que ce soit lui qui dit la vérité, la police va rendre l'affaire là. Attends, je viendrai ici avec mon avocat et si possible avec mon huissier. D'accord? Ok. Mais en tout cas, sachez que la maison, je l'ai achetée. Ok. Bon. Et vous me prenez pour qui alors? Hein? Ok. Tantôt, on me traite de police sanitaire, tantôt, on me traite de ci, tantôt, on me traite de ça. Mais qu'est-ce que ça fait? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Je demande même, je prie, je dis à Dieu, pourquoi c'est pas la même maison qui vient louer avec la vis? Il me traite tous les problèmes de tout le monde. C'est qui le fou qui vient de rencontrer là? Il vient sacré dans la main et qu'il a payé la maison, on va sortir et que huissier, avocat, police, on ne sait même pas dans quel dilemme, dans quel dilemme il met. Ah, voilà. C'est lui le propriétaire de la maison. Quel propriétaire? Il a problème avec Abyss et il paraît que Abyss lui a vendu la maison. Quel Abyss? L'Abyss? Notre colocataire voisin. Ton voisin là. Abyss, ton voisin là. Il a vendu quelle maison? Cette maison là. Oui. C'est quoi? Abyss était le propriétaire de la maison. Mais comment il a vendu la maison? Nous, on n'a pas compris. C'est la maison là, c'est honteux, on n'a pas compris. On ne sait même pas quel genre de situation. Attends. Sinon, il est là. Il n'est pas là. Ça fait plus de 3 semaines. Il a disparu dans les parages. Abyss, ton voisin qui est ici là, il a disparu. La dernière fois, quand j'étais ici, il m'avait raccompagné sur un chantier qui devait me vendre à l'aéroport là, jusqu'à ce que je l'ai remis l'avance sur salaire. Hein. Tu es sûr qu'il n'est pas là? Abyss n'est pas là. Abyss n'est pas là. Ça fait plus de 3 semaines, il est sorti. Vous êtes sûr? Oui. Tu lui as donné combien? Je lui ai donné 10 millions. Je l'appelle, ça ne marche pas depuis quelques semaines, raison pour laquelle je suis même venu. Ah, donc vous êtes nombreux. Comment ça? Il faut la maison ensuite. Le gars, il est fort, quoi. Oui. Sinon, peut-être pour moi, c'est réellement pour lui. Hein. Hein? Mon cas, c'est peut-être différent. Parce qu'il m'a même montré les photos. Ah bon? Regarde. Ah bon. Tu vois. Il m'a montré les photos, tu vois, non? Ah. Le jour, c'est parce que l'aéroport était fermé, sinon, on allait visiter. Mais tu es sûr que c'est vrai? Tu lui as donné combien? Mais c'est l'aéroport de Nessan, tu n'as pas vu? Oui. Tu as vu les avions, non? Tu lui as donné combien? Je lui ai donné 10 millions, comme avance.